Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Je me prépare à faire ma séance jambes du jour. Et ça tombe bien parce que j'ai une nouvelle série de vidéos à vous proposer où je vais vous partager mes entraînements perso. Ça fait super longtemps que je vous ai pas montré un petit peu avec quel split je tournais. Enfin, c'est pas un split, hein, c'est un push-pull legs parce que j'adore ce format d'entraînement, entre autres. Hein. Et du coup, aujourd'hui, c'est la séance jambes. Donc, je vous ai réservé un épisode pour la séance jambes, un épisode pour la séance push, un épisode pour la séance pull. On va parler aussi de mes séances cardio, de mon programme, de mon plan diététique et puis aussi des techniques que j'utilise pour récupérer, optimiser ma récupération. Ça va être super cool. Je suis en train de me préparer à faire ma séance. Moi, je prends pas trop de pré-workout. Je préfère plutôt les boissons avec un petit peu de caféine parce qu'elles sont moins chargées en caféine et moi, je suis très sensible à la caféine. Donc, juste ma canette d'Amino Energy, ça suffit largement pour ma séance jambes. Et aujourd'hui, du coup, on a du hack squat de prévu. On a du leg extension, on a du leg curl, on a du soulevé de terre jambes tendues. On a des fentes en déplacement et puis on finira probablement par un petit exercice mollet. Je vous montre la séance et je ferai un débrief avec le pourquoi du comment, pourquoi j'ai mis tel exercice et pas un autre, donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode et puis c'est parti pour une bonne séance de torture. À tout de suite. Terminé pour le soulevé de terre, on passe aux fentes et aux mollets. On aura fini la séance. Ok les amis, séance terminée, vous voyez, je suis encore un petit peu transpirant. Première chose, est-ce que je prends de la protéine après mon entraînement? Alors non, je n'apprends pas directement après mon entraînement. J'en ai parlé déjà dans une vidéo YouTube qui a été plutôt populaire et qui a beaucoup fait parler. Je vous la mets quelque part sur l'écran et puis dans la description. Donc j'attends entre 30 et 45 minutes avant de prendre ma protéine après entraînement. J'attends en fait juste que mon rythme cardiaque descende et que je sens que j'ai commencé le processus de récupération. Et puis en termes de prod, j'alterne entre de la whey et puis de la protéine végane pour juste essayer de réduire un tout petit peu ma consommation de produits laitiers. Et du coup, aujourd'hui, ce sera de la whey par exemple. Ensuite,
niveau séance à proprement parler. J'ai commencé par du hack squat, 4 séries d'une dizaine de répétitions avec 60 kg de chaque côté, donc ça fait 120 kg plus la machine. Je me formalise pas trop sur le poids que j'ai utilisé sur celui-là, le hack squat, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mon mouvement préféré pour les quadriceps, ça me permet d'avoir une grosse flexion de genoux, d'éviter de travailler la chaîne postérieure, hein, fessiers, potentiellement ischio, mais aussi surtout éviter d'avoir mal en bas du dos, donc parfait pour aller chercher l'échec sans risquer de compenser avec d'autres groupes musculaires. J'ai pas trop compté la récup sur celui-là, je pense que j'étais aux alentours d'une minute 30, mais en tout cas ça m'a permis de bien commencer la séance. Deuxième exercice, leg extension. Toujours en série de 10 répétitions, toujours à peu près 4 séries. Vous avez vu que je l'ai fait sur la machine Prime où je peux modifier la résistance. Du coup, j'ai reculé le dossier au maximum pour être presque couché et j'ai mis le maximum de la résistance dans la position étirée, ce qui en fait un exercice à forte tension d'étirement, hyper brutal au niveau sensation et puis parfaitement adapté à la fourchette de répétition, pas trop longue. J'ai enchaîné avec du leg curl, toujours sur machine Prime. Alors ici, j'ai qu'un leg curl allongé, j'ai pas de leg curl assis, mais ça tombe bien parce que c'est la variante que je préfère. Là, pareil, j'essaie de bien fixer mon bassin et ma colonne vertébrale pour éviter de cambrer et je me focalise vraiment sur la contraction des ischios. Du coup, je mets la résistance au plus fort en bas du mouvement. C'est quelque chose que je ferais pas avec d'autres personnes, par exemple, qui ont tendance à sentir les mollets sur le leg curl. Moi, bon, j'ai pas de mollets, donc aucun risque pour que je sente les mollets sur le leg curl. Donc, je mets le max de la tension en position basse et ça me permet de soulager un peu la tension lorsque j'ai les genoux fléchis et éviter de cambrer parce que c'est la position la plus difficile à maintenir. Voilà pourquoi je mets la tension dans cette position-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec du soulevé de terre jambes tendues. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi mettre du soulevé de terre presque en fin de séance alors que c'est un mouvement polyarticulaire? Déjà, non. Le soulevé de terre jambes tendues ou jambes semi-tendues, c'est pas un mouvement polyarticulaire, c'est un mouvement mono-articulaire puisque normalement, il n'y a que l'articulation de la hanche qui est engagée. Et puis, vous voyez que c'est un mouvement que je maîtrise plutôt bien. Je peux le faire avec des charges relativement lourdes. Là, il y avait 140 kg pour des séries entre 8 et 10 répétitions. Donc, c'est pas le genre de mouvement sur lequel j'ai des problèmes. Donc, c'est pour ça que ça me pose aucun souci de le mettre plutôt en fin de séance. J'ai enchaîné avec des fentes en déplacement. Là, j'ai pas mis de charge de travail. C'était un petit peu plus dans un focus fessier. Et puis, j'ai enchaîné les longueurs, en fait. Hein. Donc, on n'avait pas cette logique de série de 10. Une longueur ici dans ma salle, ça fait à peu près 24-26 pas. Donc ça correspondrait à peu près à une série 12 que j'ai enchaîné direct et j'ai fait au total, je crois, 4 longueurs. Donc parfait pour terminer la séance avec un mouvement polyarticulaire effectué avec charge libre qui met à rude épreuve la stabilité. Étant donné que j'ai quand même utilisé beaucoup de machines sur le début de ma séance, c'est parfait de finir avec ce type de mouvement-là. Et puis, un petit peu de mollets à la fin, même si je vous avoue que les mollets maintenant, hein, je les ai tellement travaillés sans vraiment de grands résultats que j'y porte plus trop d'attention. Là, j'ai juste fait une série de 100, sans dissocier plutôt les séries et les reps. J'ai fait 100 répétitions. Voilà, ça me permet de garder un petit peu de stimulation musculaire sur les mollets et ça suffit largement. La séance, du coup, elle a été terminée en 45 minutes. Plutôt rapide, vous allez me dire, est-ce que c'est suffisant de faire aussi peu de séries pour les quadriceps? Faut pas oublier que je m'entraîne en push-pull legs presque 7 jours sur 7, lorsque je peux, lorsque mon emploi du temps me le permet. Je privilégie les séances courtes parce que malheureusement, j'ai pas le temps de m'entraîner plus longtemps, j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans la journée, donc je suis obligé de condenser mes entraînements. Mais étant donné que je m'entraîne assez souvent, bah, ça me permet d'avoir un volume d'entraînement assez convenable en fin de compte, dans la semaine. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est pas maintenant que je vais faire des gains musculaires, hein, pas après 15 ans de musculation. Donc, j'essaye de garder au maximum mes performances, de les améliorer sur les exercices où c'est possible et juste d'avoir une bonne stimulation musculaire. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, les amis. On se retrouve dans le prochain épisode où je vous présenterai, je ne sais plus si c'est ma séance push ou ma séance pull. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer aussi la sélection d'exercices. Si jamais ça vous a plu, on met un gros pouce en l'air. Bien sûr, on s'abonne à la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode. À plus.